Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de War Tales. On va rentrer. Nous allons rentrer. Alors, nous allons devoir... Oh mon dieu. Mais bon. Nous allons devoir identifier le marchand. Et je sais comment. Enfin, je sais... Où exactement. Je sais où. Par contre, il faut faire du truc d'anguille là. Faut que je regarde ce qu'il nous faut. Parce qu'on en a plus. La soupe d'anguille. Soupe d'anguille, c'est. Brouet d'anguille. Il faut des choux. Alors, on a un marché qui est pas loin. C'est extrêmement chiant ici, honnêtement. C'est de pas pouvoir aller vite. Alors, vas-y. Oh la vache. Il nous faut des choux. Sérieux, quoi. Ça veut dire qu'il y a personne qui vend des choux. Non, mais sans déconner, quoi. Bon, allez allons empocher notre argent déjà. Donc notre argent, c'est là. Déjà, fermer ça. Voilà. Yo. Ok, non, ça c'est. Oui, c'est pas grave. Je vais y aller quand même. Donc on est à la recherche de choux. On va essayer de finir un peu les quêtes ici. Et après on verra ce qu'on peut faire d'autre. On va prendre ça. Accepter. Les rats, on va peut-être faire des rats dans les autres régions, dans les anciennes régions. Je sais qu'à chaque fois je le répète, mais... De la perche au chou, non. Non, c'est toujours pas ça. Qu'il y a là? Travailleur peau dure, brut. Agile, épéiste. Travailleur, brut. Ok, on est remonté à 1100, ça va. Toujours pas de chou. Le truc, c'est qu'il n'y a pas les noms des bâtiments. C'est un peu relou, en fait. Je sais qu'on a un... Oh, merde. Je sais qu'on a un marchand. Je l'ai trouvé par erreur la dernière fois. Attends, il y a des marchands là, à gauche et à droite. Le marchand qu'on doit identifier, il est là. Il est sur le magnifique. Questionner. La mort de négociant était tragédie. Enfin, je crois que c'est lui, non? Oui, c'est lui. Le réconfort paysan. Maximum 2, mouvement 1. Ça, c'est vachement bien. Aucune mer, aucun océan ne résiste. Ça, c'est vachement bien, ça. Ouais. Mais on n'en a pas, hein. D'accord. Perche. Non, on n'en a pas. En théorie, c'est lui, je crois bien. Ne me demandez pas comment je le sais. Il nous faut juste des choux. Soit ils ont du givracier. Il nous faudrait du givracier aussi. Parce qu'on en a vraiment... On n'a pas de choux, putain.
Il nous faut de l'argent. Ah, là, 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 c'est là. C'est... Marché du Faubourg, voilà. Marché du Faubourg. Alors, dis-moi qu'il y a du fou... Non, mais t'es sérieux, là? Mais je fais comment, mon truc, moi? Bon, bah, on le fait pas. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Non, mais c'est simple, on le fait pas. Bah, on va faire autre chose, alors. On va faire autre chose. Je sais pas quoi. On va pas faire des quêtes à la con, parce que sinon c'est relou. On va pas... Ça, c'est chiant aussi. Du coup, on va aller à Vertruse. Je pense. Cela, on a fait tous les lieux. Là, on a la... de la meute à faire. Les crônes disparues fournissaient les gemmes aux marchands de Mareim. Ah oui, c'est qui vend des gemmes? Je crois que c'est à Corsia qu'il faut aller prendre des gemmes. Ouais, c'est à Corsia. Bon, ben... On s'en va. On s'en va. C'est bien. Donc on va à Marmain, enfin Vertruse, pardon. On va à Vertruse. Je sais que là, il y a une carte aussi à voler. Je me rappelle de ça dans un coffre. On va à Vertruse, on va faire l'invasion des rats. Et la meute. Ah putain, t'es sérieux. Est-ce qu'on est bon là? Bon, le machin... Alors je sais qu'après il y en a qui sont tyranniques, ça leur donne plus de volonté, mais bon. Le machin il sert un peu à rien. Vas-y, on va le libérer. Voilà, bon maintenant on est un peu lourd, c'est pas grave. On va manger. Ah, peut-être que t'as des plats à faire, toi. Anguille bouillie, non. Ouais, il nous faut plein de... De matos, en fait. Enfin, d'ingrédients, pardon. Pas d'ingrédients. Oh non, pas de l'eau de vie, parce que l'eau de vie, c'est super important. Enfin, c'est super utile, l'eau de vie. Voilà. Donc ouais, bah, je peux pas faire des anguilles, j'ai pas de chou. Du coup on l'en fait pas. Donc on va ailleurs faire des trucs. Tout simplement. Alors qu'est-ce qu'il veut Wanart? Mes progrès ne font aucun doute désormais, je me sens plus fort, plus compétent, plus sûr de moi lors des combats. Je me demande si c'est le cas pour tout le monde. Enseigner. Très bien. Ouh, ouh, yes. Yes, merci Van Aert. Alors. Merci Van Aert. Donc, force. Non, fais voir. Hop. Donc, hop. On va enfin tester Monsieur Barbare imbibé de d'alcool de qui brûle. On va voir ce que ça donne. Et Niège, tu t'es qu'à prendre ça. Voilà. C'est la même. C'est la même chose. T'as qu'à prendre ça. Enfin, honnêtement, encore une fois,
Le bouclier qui met à 90% et les tirs, là, c'est pas mal aussi. Non, mais non, c'est bien, on va le vendre. Très bien. Donc, la prochaine fois, en prochain combat, on va tester un peu notre système là. Voir un peu ce que ça peut donner. Ouh, merde. Okay. On va tester ça. Donc, on fout le feu. On tape. Ça fait mal. Voilà, c'est ça le truc. On fout le feu, on tape, ça fait mal. Alors, je veux pas faire les rats ici. Parce qu'il doit être un peu haut niveau. Et encore une fois, on a des... Bon, maintenant, ils sont tous 6. Et voilà, ils sont que 6. Que niveau 6. Donc faut faire gaffe. Attendez. Fraternité. Là on a une invasion de rats, mais ça vient d'où? On va aller à Marheim d'abord. On va voir si. Les quêtes en fait. Quête des rats. Ah ouais, non, mais là, c'est 300, la provocation. Je vais pas acheter ça. Ah non, 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 c'est ça. C'est la... là, c'est la... C'est la reine. Ouais, quand on fera... Quand on ira... On va pas aller au centre d'entraînement. On attendra... si on passe à côté du marché noir ou tout ça, on prendra une provocation pour... pour Will. Là, on va bien trouver des choux. ~444, ça fait cher. Ça fait cher. Tiens, bouée d'anguille. Tout frais. Au revoir. Il va nous en falloir de l'argent. Parce que là, on commence à être un peu endetté. Enfin, on n'est pas encore endetté, mais ça va pas tarder. Alors, donc, il y en a deux. Merde. 420. Mais putain, sérieux quoi. Bon, on a notre bouée d'anguille, c'est très bien. Forge. L'équipement est bon. Alors... Il faut s'équiper. Il faut s'équiper pour les rats. Donc, je vais voir un peu. J'ai des trucs à vendre d'abord. On va se mettre au marché. Un peu lourd, ça c'est toutes les carcasses qu'on trimballe. Personne a du miel, non? Évidemment que non. Évidemment que non. Eh ben putain. Alors. Pour les rats. Il faut s'équiper un peu précisément. Alors, One Art et flèche incendiaire, ok. Orlin, elle va garder. Non, War, elle va garder les flèches qui percent. Très bien. Orlin, tu vas garder les bombes, je pense. Le poison va pas trop être utile, du coup, mais bon, on va se débrouiller.
Toi, tu peux foutre le feu. Klaska, tu vas rester. Klaska, tu vas peut-être prendre une torche. Je pense. Pour avoir plus de dégâts, parce qu'il faut du feu quand même. Toi, t'as pas besoin de ça honnêtement. Parce que les machins, ils vont pas trop faire chier. Klaska, t'es immunisé au feu. T'es immunisé au feu, ça va. À cœur, la zone odorante. J'ai envie de tester la zone odorante. Mélange de chair putride et de végétaux. Rend cette poudre particulièrement attrayante pour les animaux. Voir si ça fonctionne avec les rats. Taurus. Alors, Taurus, j'ai bien envie de lui rajouter une AOE grâce à la... Attends, pourquoi j'ai encore ça, moi? Il faut la jeter, ça. On va la vendre. Ah oui, il faut la vendre. Complètement. Ce Taurus, il fait très mal, donc j'ai bien envie de lui mettre ça. Genre les unités empoisonnées, ça fait un critique. Et surtout, c'est que c'est une AOE, ça. Donc il peut toucher plus de gens. Alors après... Après Niège, tu peux aussi utiliser une torche. Orline. Orline, je sais pas si on lui laisse les bombes ou pas. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre d'autre? De toute façon, si elle empoisonne. Si elle empoisonne, ça va foutre la merde. Enfin, honnêtement, les one-shot, les machins, donc c'est pas vraiment un problème. Elle peut mettre aussi des trucs odorants. Ok, je pense que ça peut être un bon système. Sauf qu'on vende. Ah, des choux. Je pense que ça peut être pas mal. Après, on est un peu lourd. Encore une fois, ça, c'est à cause des carcasses. C'est un peu le problème. En fait, il faudrait... Une fois qu'on a les carcasses, il faut faire la potion, en fait. Complètement. Parce que là, là, ça va être la merde pour le poids. Pendant très longtemps. Si on continue à faire ça et qu'on trimballe ça pendant des siècles, ça va être une galère. Ça va vraiment être une galère. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on va se débrouiller, hein. De toute façon, on a des sacs. Puis on va devoir manger là-bas. Donc ça va aller. On a 20 remèdes. Donc on va d'abord faire celui-là. Puis on a, ouais, on a 20 remèdes. Donc ça va aller. 20, 20, 20, remèdes, med. Par où on passe? Par la route.
C'était quoi l'histoire ici? Des deux familles qui se foutaient sur la gueule, je crois. Très bien. Ok. On est arrivé. Levons le camp. Je sais plus s'il nous reste des... Attends, est-ce qu'on a des trucs super? Non. Des anti... C'est ça pour les... Non, ça c'est de la Dex. Non, je crois pas qu'on ait... anti-animaux, là. Qu'il nous reste ça. Ça m'embête. Voir. Prix de vente. Dex. Si, dégâts contre les animaux. Yes, nickel. Nickel. Après, là, il y a quoi? 20 rats. On va en mettre 10, là. 15. 15, c'est... c'est une potion, hein. C'est 15 carcasses et 1 rat. 15 carcasses et... 10... Enfin, 1, 10 rats, pardon. Et 13 miel. Ah, c'est con que ça soit du miel, quoi. C'est rare. En plus, on en avait plein avant que je foute tout ça en hydromel. Enfin bon, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Alors, du coup, bah merde, ça, ouais, c'est pas mal. Ça nous fera des dégâts contre les animaux, maximum de bravoure. On va bien mettre un dex, à la limite. Ouais, on va mettre un dex quand même. On va mettre un dex. Ça, c'est la vente. La vente, on s'en fout un peu pour le moment. Yes, let's go. J'espère que ça va bien se passer. Toi, t'as 4 sur 7, très bien. On a un point. Bon, on verra plus tard. Je pense que la troupe est prête. La troupe est prête. On est beaucoup. Beaucoup de remèdes vont y passer, je pense, mais bon. Déjà, il nous faut de l'argent et puis il faut faire les rats. Ça fait longtemps qu'on voulait faire les rats, donc... Ouais, c'est parti. Concentration. Alors, que 400. C'est un peu bête. Mais bon. Non, c'est la nuit. Ah, mais ça va, il va faire jour, donc le tour prochain, ils seront pas boostés. Mais ça aussi, c'est con, ça. Faudrait pouvoir passer des quelques heures. Enfin, faut attendre, en fait. Ils vont sûrement être vénères au début. Ah, quoi que non. Ok, donc il y en a 7, ça marche. Ça va, il y en a qui sont très 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 proches. L'ours... Je sais pas trop. Toi, tu vas rester dans le coin, toi. Alors, qui on va envoyer qui est où? Alors, Taurus, il peut faire des AOE comme ça, voilà. Il va tuer tout le monde. Ils sont niveau combien? 6, c'est ça.
Ah, lui, il peut faire des AOE comme ça et défoncer plein de trucs. C'est pour ça que j'ai gardé cette hache. Donc voilà, là, ça a du sens. Le cheval, pas besoin de le mettre là. Il y a... 8. Il peut faire des bonnes AOE aussi. Oh mon dieu. On voit rien quand on fait ça. 8. Je te vois pas avec ta grande épée là. Putain, on peut mettre quelqu'un là ? Ou c'est pas... 8, ah, il est là. Ah, on peut mettre quelqu'un là, mais c'est l'un sur l'autre. Ok, 8 est là. Donc lui, encore une fois, il peut se mettre là et tuer du monde. Donc ça, c'est bien. Alors, on va mettre déjà... un truc là. Lucie, elle est... je sais pas, Lucie, quoi en faire. Niège, je sais pas quoi en faire non plus. Kirik aussi fait des AOE. Mais je pense pas qu'on en ait besoin. Si, à la limite, si. Will, je crois que... non, lui va... on lui a mis en pestiféré. J'espère que ça marche sur ça. Excroissance pestiférée. Bon, oui, j'imagine que oui. Donc, Will, il va aller attaquer. One Heart aussi. War, putain, elle peut faire un carnage, elle aussi. Mais je crois qu'on a assez d'AOE. Elle va surtout tirer sur ça. Ce sera mieux. On va y aller avec l'armée de rats. Le cheval, il va rester là aussi. Les sangliers, on va les mettre côte à côte parce que c'est un peu la merde pour eux. Faudrait pas trop qu'ils se fassent mordre, en fait. Lucie... et Klaska qui fait très mal aussi. Elle est immunisée au feu, Klaska. Parce qu'elle est immunisée au feu. Elle est mise comme ça. Niège là. Hacker, il a les... il a ça. Ah ouais, oh la vache. Putain, ça fait laguer à fond. Hein. Oh mon dieu. Mais même mes animaux, je les contrôle, moi. Ah, c'est le truc dans la zone, en fait. Intéressant. On va tester ça après. Menée, je crois qu'elle va la supporter ici. Ça fait pas beaucoup de gens en fait sur, sur les trucs, non? J'en sais rien. Bah après on va se débrouiller. Orlin, on peut peut-être l'envoyer. Aider le groupe. Hacker va aller aider le groupe. Bon, allez, on est prêt. Bah, je pense qu'on est prêt. Alors, comment on commence? Un rat devant. Là. Bon, faut pas le défoncer, matriarche, là. Voilà, doucement. Bon, faudrait déjà faire... des bonnes AOE. Voilà, déjà, ça aide. Un truc que je vais faire, c'est ça.
Ça dure combien de temps? 3 tours, bah putain. Ça va faire mal. Très bien. Pas mal. Pas la peine. Très bien. Là, on touche qui? Ouais, on touche qui sont autour, ça va. Très bien, toujours de l'armure. Ok. On peut commencer à faire un carnage. Alors là, on a du feu, on va mettre du feu. 66 de dégâts, très bien. Est-ce que c'est notre... Non, c'est que là ça. Je voudrais bien... notre barbare. Je l'ai mis là, putain. Chier. Je voudrais le tester en fait, les dégâts un peu, voir les dégâts quand il y a du feu, qu'est-ce qu'il fait. Ok. Le truc qu'on peut faire, c'est directement ça. Bien. Tu leur fais mal, mais tu les tues pas. Faut le tuer ce rat là avant que ça se propage en fait. Voilà. Après c'est pas full vie du coup, donc genre ça va pas vraiment... Enfin son passif va pas vraiment marcher. Mener là. Ouais. C'est pas parfait hein, ce que j'ai fait. C'est vraiment pas parfait du tout. Je devrais pas trop avoir de problème, mais bon. Très bien. Ils vont aider avec les petits rats qui restent à chaque fois. Très bien. Pour l'instant, ça va. Will, il peut... Oui, il peut aller défoncer des trucs, honnêtement. Déjà. Genre, voilà. Putain, 140. 140, c'est du one shot, hein.
140, c'est du one shot. Vas-y. Ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est pas grave. Très bien. C'était peut-être un peu con de... prendre le feu et le poison. Ok, très bien. Après, qu'est-ce qu'on a? On a elle. Après, on a tous les animaux. Si on peut éviter que les animaux prennent des dégâts. Hein. Alors, un truc qu'on peut faire, c'est ça. Village. Il y a Menet qui est juste derrière. Nickel. Bien. Lucie, elle va aider à faire le ménage. Je crois que eux, on peut les envoyer. On les envoie autour d'un nid, comme ça on peut détruire le nid en une fois. Nid là-bas. Encore un là. Il y a Klaska peut-être qui peut s'en occuper de celui-là. Klaska elle est immunisée contre le feu. On va se prendre du poison, mais... Ok, très bien. Oh! Nickel. Parfait. Tiens, le nuage il disparaît pas. Normalement il devrait disparaître. Peut-être qu'il disparaît après le prochain. Normalement s'il disparaissait directement. Hein. Quasiment certain. Je vais voir un peu. Donc on a un, deux. Il nous en reste quand même quatre. Oh, là-bas, un là-bas. Sûrement un là, ouais. Oui, lui, elle va le finir. Après, elle pourra demander au rat le prochain tour de défoncer celui-là. Puis après, on enchaîne. Ça m'étonnerait que les rats n'y arrivent pas. Hein. Parce qu'à chaque fois, ils vont avoir fureur quand elle va donner l'ordre. Donc, les sangliers, eux, on les laisse ensemble. Là, on est qui encore ? Orline. On peut tester. On peut tester ça.
Ah, mais ça les fait venir directement? Oh, le lag. Oh merde. Est-ce que le jeu a crashé? Oh non. Je crois que le jeu a crashé. Parce que ça a fait bouger la matriarche, j'avais pas censé bouger, c'est ça? Allô? Ah, oh, t'es sérieux? Ouais, non, là, là par contre, je crois que... Ouais. Eh ben merde! Parce que là, c'était un super plan! Non, là, bah, là, ouais, là c'est fini. Là. Ah! On relance. Aïe, aïe, aïe. Je suis désolé pour ça. Ah, quelle merde. Parce que là, c'était vachement bien. Mais après, je crois que c'est parce que la matriarche est pas censée bouger. Et du coup... Merde, du coup, on va être où? On est, elle est pas censée bouger, j'imagine que c'est ça qui a cassé le jeu. Parce que c'est vachement efficace, je pensais pas que en fait, les rats allaient bouger en fait, automatiquement. Je pensais que genre à leur tour, ils allaient aller dans la zone. C'est vachement bien en fait ces trucs. C'est super bien. Super utile. Je me demande si ça marche sur les fantômes. Enfin, c'est des animaux, hein. Donc bon. Bon, par contre, je sais pas où ça a sauvegardé. Hein. J'espère quand même que ça a sauvegardé à la fin des tours. Ok, on est à 3. Ouais, ça sauvegarde juste à l'avant mon tour. En fait. Okay, à chaque tour. Ok, cool. Ah, putain, j'ai envie de retester si c'est juste une... juste une merde ou pas. Si c'est genre un problème isolé. Ou alors ça va le refaire tout le temps. On va te retester, désolé, mais on reteste. Je trouve que ce système, en fait, est vachement sympa. Ah, mais... Ah, du coup, c'est pour ça que ça montre mes animaux aussi. D'accord. Ça va les faire bouger automatiquement. Tu vois? Ok, ok. Ouais, matriarche, elle bouge. Ça... Ouais, ça freeze. Ok. C'est ça. Désolé. Non, c'est ça. 100%, c'est la matriarche. Elle doit pas bouger. Aïe, 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 c'est bête. C'est 100% ça. Parce que les rats ne bougent pas. Enfin, les rats ne font pas cracher, les rats normaux, les petits rats. Ah, c'est bête. Faut faire attention au le balancer, quoi. Mais bon, vu que je peux pas le balancer où je veux. Mais c'est super cool, ce truc. Hein. Encore une fois, je le répète, quand on va combattre des animaux et tout, en fait, faut toujours en avoir sur nous. Parce que c'est méga, méga utile. Puis en plus, du coup, ah putain, on peut les forcer à bouger nous-mêmes. Genre, si on a plein de rats et tout, on les joue pas. Et on les fait bouger comme ça. Comme ça, on peut les avancer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant, ça. Oh, je pourrais les faire avancer sur... sur les trucs à détruire. Oh, putain, j'ai plein d'idées. Ah, mais faut que ça soit dans la... Faut qu'ils soient assez près aussi. Faut qu'ils soient aussi assez près. Bref. Bref, bref, bref. Alors, notre ours, il n'a pas bougé pour le moment. Si on peut éviter de... Honnêtement, d'avoir des animaux qui se font toucher, hein, ça ne m'embête pas. Ah, très bien.
Comme ça, j'ai pas besoin d'utiliser des sérums, en fait. Que ça coûte quand même 59 pièces l'un. Pas donné. Bon ben voilà, il reste plus qu'un rat. Toi, t'es toujours en pause, ok. Il reste plus qu'un seul rat. Comme j'ai dit, les sangliers, on va les laisser entre eux. On va laisser des espaces pour que les gens puissent passer. Mais on les met plutôt de ce côté, tranquille. Voilà. Ça, ils peuvent passer entre les sangliers. Euh, 165 HP avec galvanisation et tout ça, un crit, je pense que ça peut partir, donc on va y aller doucement. On va peut-être mettre l'ours à côté par contre, je sais pas. Comme j'ai dit, si on peut éviter que l'ours se prenne une baffe, je dis pas non. Par contre, toi tu... Ah putain, tu peux passer. Ah mais du coup, ouais non, j'ai bloqué le chemin en fait. Attends. Allez. Toi, tu vas aller avec l'équipe. Alors, il va se mettre là. Enfin, quoique... L'ours, il devrait rester là. Ok. Alors d'abord, on fait le vide. D'abord, on fait le vide. Alors, on peut en faire deux. Si je pouvais me placer là, je pourrais en faire trois. Est-ce qu'on fait... Est-ce qu'on fait le boost de neige? Je pense pas qu'on en ait besoin, honnêtement. Très bien. Ok, on est bloqué, cool. Bien. Oh la vache. J'ai pas vu tout ce qu'il y avait là. Je n'avais point vu. Toi, tu peux le détruire là, ouais, tu peux le détruire. Ah,
Ah bah putain, j'ai même pas besoin de... Lucie, tu peux t'en faire un. On va créer un passage. Là, il y a 8, il peut passer et en tuer 2-3 là. Bah 2 en fait. Ça va être, elle risque rien. Du coup, ça, ces dégâts sont doublés. 35 et 48. Pas mal. Ah non, strictement plus de santé. Non, non, c'est ça. 48 dégâts, 73. Bah voilà. Bah voilà, ça commence. Ça commence. Une, en fait, pas de besoin de donner des ordres du tout. Ça lui fait des dégâts sur lui-même ou pas? Un dégât, ouais. Oh là là. Chargement du truc, quoi. Par contre, il y a ce rat-là là, qui m'embête. Très bien. Pour l'instant, il y a juste un seul ratope qui s'est pris une morsure. Ça devrait aller. Ici et après un là-bas. Je pense qu'on va booster le. Enfin, on va prendre Kirik. Et on va récupérer. Voilà. Voilà. Très bien. Est-ce que. On peut. Ça nous fait 2 kills. Est-ce qu'il y a Monet qui est pas loin? Que la limite, on en profite. Ah! J'aurais pu soigner Klaska. Oh là là. Je réfléchissais un peu mieux, moi. Bon, là, il va aller sûrement sur Aether, ça va. Neige, tu vas. Neige, tu vas booster les gens. Et faire quelques dégâts. Très bien.
Ah, là, c'est disparu. Ok, bon, Klaska, du coup, tu peux pas te faire soigner. Si, il y a Hacker qui peut soigner. Sinon, tu vas te prendre 4 de poison, c'est pas vraiment le plus fun. On peut tuer celui-là. On peut libérer notre pote. Très bien. Alors là, je veux bien. Genre, si je fais ça, ça donne quoi? Oh, le bordel que ça va faire. Oh, on peut faire des putains d'AOE. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce que ça vaut le coup? Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est bien. Oh mais qu'est-ce que c'est bien. Là, on mine. Là, elle peut tirer avec sa flèche qui transperce. Toi, tu peux pas les tuer, on est d'accord. Hein. Ça fait pas assez de dégâts. Ah si! Oh, il peut tuer tout le monde! What the fuck? On va pas tuer notre propre rat non plus. Oh là là! Oh, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau. Du coup, toi, tu vas en route pour celui-là. Un, deux et trois là-bas. Elle peut en profiter. Nickel. On peut booster le rat, je suis sûr qu'il le tue, il doit le one shot. Voilà, très bien. Oh, on a trouvé des nouvelles stratégies là encore. Hein. Ce jeu, il est bourré de trucs, hein, c'est fou. Hein. C'est fou, c'est fou. Hein. Ah tiens, le cheval maintenant il peut s'enlever aussi le feu. Maintenant que j'y pense, parce qu'il a charge dévastatrice. Je vais voir la charge. Elle est assez grande la charge. Est-ce qu'il peut passer à travers les trois? Hop là! Et il a plus le feu. Ah, c'est vraiment cool ça. C'est vraiment cool. Ah ouais, non, c'est super, hein. C'est vraiment super. Alors, est-ce que je peux faire bouger mes propres rats? Je vais voir un peu. Genre, là, on a fini le boulot. Est-ce que je peux les rapprocher? Genre, là. Parce que lui, il a... Je sais pas s'il avait bougé. Ah, si, si. Hop là. Putain, mais ça... Oh, la vache! C'est terrible. Ah mais j'ai pas de bombe, merde. C'est terrible. C'est super. C'est super. Attends, tu peux te le faire. On a galvanisation et tout. Voilà, ça c'est mon rat. Ça c'est mon petit rat bien joué, bien gentil qui fait du bon. Alors, on va se mettre là. Will, du coup, on a tué tout le monde, il reste plus que la matriarche.
Will, tu vas aller aider. Comme ça, normalement, le prochain tour, on tue tout le monde. Ah, je suis content. Je suis content. Là, c'est super efficace ce qu'on a fait. On a trouvé des nouvelles stratégies en plus. Honnêtement, faudrait pouvoir mettre des armures sur... sur les sangliers. Très très heureux. Bien. Ok, nouveau round. Alors, on recommence. Alors, je vais voir. Déjà, on booste tout le monde. Je suis sûr qu'il y en a que j'ai pas touché. Là, je touche personne de mon équipe. Nickel. Nickel. Très puissant. Je crois que lui, il est toujours en ciblage. Donc, en théorie, il devrait toujours pouvoir tirer et défoncer tout le monde. Par contre, là, ils sont tous en feu. C'est pas un problème. Il faudrait une AOE, là. Mais j'ai pas d'AOE à porter. Ah! Oh là là, oh j'ai gâché. Oh j'ai gâché. Oh mon dieu, j'ai gâché. Ouais. Ouais, le rail de le cheval est trop lourd, est trop gros. Ce serait bien que la charge soit plus grande, mais après elle deviendrait peut-être un peu trop OP aussi. Deviendrait un tout petit peu trop OP. Faut qu'on booste le déplacement. Yes! Vas-y, one shot tout le monde. Tu vas nous faire plein de... plein de points. Ah merde. Laisse mon rat! Ça fait deux. Ah putain, il m'a brûlé mon rat. Classe... non, il faut booster la... Il faut booster la distance, là, par contre. T'es passé où? Neige. Neige? Neige. Neige, t'es immunisé au feu, non? Ouais. Après, plus on reste, plus on fait des rats. Hein. C'est aussi intéressant. Ah, j'aurais dû complètement partir, en fait. Ça va, on a gourou. Nickel. Ça va, on a que deux de poison. C'est quoi ça? L'huile de force, ok. Ouais, j'aurais dû me désengager, comme ça elle riposte. Ah, nickel. Ah, me touche pas. Putain, fais chier. Me touche un sanglier. Bon, après, c'est pas très grave, mais... Alors... Là, honnêtement, Will, il peut finir le boulot. Tu peux one-shot ça? Pourquoi se soucier des détails? Ah.
Alors là, on va faire un tir. Je pense pas qu'on puisse... Quoique, attends. Est-ce qu'on peut tous les faire? Je crois pas, il est trop décalé, lui. Bouge pas, Wanart. C'est délicat comme tir, c'est délicat. Non, je pense pas. Hop là, nickel. Nickel. Très bien. Alors, Lucie, Méné... Bon, maintenant on peut partir. Alors là... Kirik, t'es pas immunisé au feu. Bon, je pense que le barbare, là, il a un truc. Hein. Il a un truc, le barbare. Je crois qu'on a fait un build intéressant. C'est un peu spécial. Il faut qu'il ait courroux et tout en plus. Faut qu'il ait des trucs. Mais... Je pense qu'il peut faire des choses. Je pense qu'il peut faire des choses. Qu'est-ce qu'on fait? On fait encore un autre tour ou pas? Attends, lui, on va le laisser. Je sais pas si on fait encore un autre tour. Pour ramasser encore plus de cadavres de rats? Point d'interrogation? Et si je fais ça, ça désengage? Ah non. Il n'y a pas la flèche. Non, on peut pas désengager. Oui, non, ils disent que c'est que ceux qui sont désengagés. Ouais, les non engagés. Ouais. Je vais mettre l'ours à côté de la matriarche, comme ça. On va voir un peu. Voilà. Toi, tu peux... Tout le monde participe, c'est ça qui est bien dans ces combats. Même les petits, tout ça, qui sont pas trop équipés encore. Ils peuvent faire, leur truc, quoi. Ouais, nickel. Donc là, il y en a qui apparaissent. Donc on peut peut-être se mettre comme ça, mettre en joue comme ça. Ça va potentiellement fonctionner. Après, je sais pas s'il va tirer quand ils apparaissent. Ça, c'est une autre histoire.
Ah, on a encore un... un dans le feu, là-bas. Bon, toi, t'es déjà en feu. Donc, vu qu'on peut pas te soigner pour le moment... Voilà. Bon, c'est bon, il reste plus qu'un matriarche. Ok, hold. Hold, hold. Non, il a pas tiré. Ok. On va essayer de faire le plus de dégâts possible, puis après on se casse. Alors, toi... Très bien. Là, nickel. Pas mal un barrage comme ça. Hein. Je savais bien que barrage allait être utile pour ça. Je suis en train de regarder où est-ce qu'on pourrait faire des multi-hits en fait. Surtout ça qui m'intéresse. Surtout ça qui m'intéresse. Je sens que le lourd, il va se faire croquer. L'ours, il va se faire croquer. Très bien. Parfait. Ah, mon petit rat, non. Défoncer des trucs. Qu'est-ce qui fait mal, quoi? C'est fou. C'est fou, ces dégâts. Incroyable, cette lance. Incroyable. Alors, il y a cette attaque qui est pas mal. Quand il aura une bonne arme, ça va faire très mal. Je trouve ça intéressant. Mais après, voilà, il faut que les gens saignent pour qu'ils fassent du poison avec. C'est très bizarre. Très très bizarre.
quand même. Je comprends pas pourquoi, d'où elle vient en fait cette logique. Parce que tout a un peu de sens en fait. Mais là, je comprends pas le sens du tout quoi. Oh bah ça va, on va en tuer pas mal quand même. On va en tuer pas mal. Après, l'ours va finir le truc. Bon, on s'arrête, on va pas jouer, on va pas faire des tours à l'infini. De toute façon, ils vont commencer à avoir rage et tout ça, et nous, on va commencer à plus avoir d'armure aussi. Bon, lui, il va mourir. Et il reste lui. Klaxal peut s'amuser un peu. Klaska, pardon, Klaska. Très bien. Là, elle peut le finir en faisant... Ah bah tiens, en faisant ça. J'allais provoquer et me désengager, en fait. Mais au final, pas besoin. Lui va mourir. Il ne reste que 6. Ils sont où les autres? Où sont les autres? Bon bah là. Attends, il y a toujours Taurus. Je crois que... Ouais, lui, il peut la défoncer, en fait. Donc on peut jouer les autres. Là, tu vas se faire tirer dessus. Nickel. Ça, le barrage, si c'était dans un jeu comme XCOM, genre avec l'Overwatch... qu'est-ce que c'est frustrant quand même de pouvoir louper les tirs. Qu'est-ce que c'est extrêmement frustrant. J'avoue que ce jeu où on peut pas, j'en ai déjà parlé, hein, mais qu'on peut pas rater, ça n'existe pas les rater, sauf si on a aveuglement par exemple. C'est vraiment pure stratégie du coup. Genre c'est pas la chance, c'est pas le RNG en fait qui va vous niquer une partie ou leur vous faire gagner. Là c'est vraiment pure stratégie. Après des fois. Les tirs de flèches, enfin c'est surtout que c'est que les tirs de flèches de toute façon. S'il y a d'autres personnages à côté, vous pouvez, oui, les toucher et tout ça. Mais c'est tout quoi, c'est tout. Et ça c'est vachement bien. Je voudrais bien détruire. Est-ce que je peux passer? Oui. Voilà. Très très bien joué. Très très bien joué. Von Hart est devenu bourreau. 109, c'est très bien. On en a eu 6 d'échantillons. On a eu qu'un seul cerveau. Mais ça c'est sûrement la maman. 47 rats. Très très bon. Très très bon. Très très bon. On n'est pas si lourd que ça. Je pensais être plus lourd que ça. Faut un peu... Alors, là on a un sanglier. Enfin, après on avait dit qu'il devenait carnivore, c'est pas très grave. Faut juste pas qu'il y en ait trop en fait. Et il est glouton lui, j'avais pas vu. Putain, saloperie quoi. En fait, faut pas qu'il y en ait trop parce que la viande, oui, on en mange, mais. Voilà quoi.
Non, ça va, honnêtement, ça va. Ça va même très bien. J'ai envie de dire. Hop, 3. Ah, les rats, on en a beaucoup. On peut en garder 10, c'est ça? Si on... Ouais, 10 et 15. Ça nous en fait beaucoup. Bah, du coup, on lutte un peu pour le poids. Aïe, 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 aïe. C'est parti quoi, l'enfer du poids. Vivement qu'ils aient ça là, transport 5 de plus tout cela. C'est quoi ce niveau 8? Ouais niveau 8 putain. Ok. Les sangliers, de toute façon, on va les manger. Les rats, s'ils sont carnivores, c'est pas très grave. Honnêtement, c'est pas très grave. Je vais pas gâcher des. Je vais pas payer des remèdes pour les rats, quand même. Hein? Je sais pas. C'est cher quand même. On va rentrer, récolter notre argent. Et aussi se vider un peu l'inventaire. On a dit quoi? Il nous faut du miel. Si on peut trouver du miel quelque part. Pas des vendeurs là. Du miel. Je crois que c'est à Vertruse hein, qui vendent du miel. On avait beaucoup de miel. Tellement de miel qu'on savait pas quoi en faire. Ça m'embête un peu de me trimballer avec autant de carcasses et des trucs comme ça en fait. Que dalle. Ah là là! Moi je veux faire le prochain. Mais là, je peux pas le faire, hein. Après, je sais qu'on transporte des arcs et tout ça, mais bon, matériel pour combattre, pour qu'on gagne. Est-ce que elle peut pas soigner elle la peste hein? Enfin, les gens comme ça. Ouais, non, il propose même pas lui. Super, tu sers tellement à rien toi, c'est chaud. Bon, par contre, ça pèse combien les choses qu'on a récupérées là, les cœurs là? Ça pèse 0,5 l'un. Alors, je crois qu'on peut les utiliser pour faire quelque chose. Baume infectieux. Cette pâte blanchâtre ressemble à de la... Oui, ça c'est... Dégâts infligés aux ennemis empoisonnés augmentent de 5%. Honnêtement, c'est pas très très intéressant. Je me suis dit, du coup, on pourrait en faire des essences de vierge. Ça, c'est pas vraiment moins lourd en fait. Pas vraiment moins lourd. Non mais t'es sérieux là? On n'a pas de miel quoi. Oh là là. Bon en tout cas c'est super bien passé. Bon après oui on était un peu plus haut niveau mais...
On a quand même bien géré aussi, hein, faut l'avouer. Que dalle, quoi. Que dalle. Les carcasses, c'est bien aussi pour faire des pots. Honnêtement, j'ai envie de m'arrêter là, hein, et d'aller farmer, enfin farmer. D'aller faire des marchands pour voir si on peut pas trouver du miel. Parce que là, si on peut balancer, faire un remède et genre faire partir 15 carcasses, ce serait vraiment bien. Et je suis sûr que c'était à Vertruse, le miel. Mais personne n'en vend. Donc ça me fait chier. À moins que ça soit à Corsia qu'on avait plein de miel, j'en sais rien. On peut aller à Corsia, hein. Après, on peut aller à Corsia. Ça va faire combien de temps là? On va falloir qu'on mette fin à l'épisode. Parce que là, on a 65 rats. C'est bien pour. Pour faire ça, et après les carcasses, c'est top pour faire les pots. Bon, là on en a quasiment. Ah non, en fait, on en a quasiment plus. C'est surtout, on a beaucoup de rats. Mais rats, c'est quoi? C'est 0,1 là? Ah, c'est 0,5 là. Ok, c'est pour ça. Ok, qu'on est lourd. Ouais, ça va partir petit à petit. Ah, bon, on va rester comme ça. Hein. Mais c'est juste que là, on peut pas faire le prochain là. Ah, ça fait trop là. On va rééquiper les gens. Taurus a très très bien marché, sache, donc je suis content de l'avoir gardé. Donc, tu reprends celle-là. On a appris que les potions là, enfin les leurres là, ça marchait très 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 bien aussi. Notre barbare, il a l'air de bien bosser aussi. Très content. Très très content de l'équipe. Là, on a un bon truc. Flèche incendiaire, comme d'habitude, c'est très bien aussi, c'est pratique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc on a encore un rat là qu'on a pris. On a des points à mettre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les fioles du marais. Cannibalisme. On commence à être. Ouais, on a presque quasiment tout pour le moment. Ah, quoique non, en fait. Ici, on n'a pas tout. Pas vraiment tout. Est-ce que ça va débloquer? Merde, je suis encore sur la carte. Que ça va débloquer les nouvelles, genre ça là. Je sais pas pourquoi on a les haches en givracier, mais pas le reste. Parce que je pensais qu'il fallait débloquer ça. Je sais pas. On peut faire un tour à Corsia à la limite.
J'en sais rien. On peut faire un toit à Corsia. On va à Corsia vite fait, on parle aux marchands sur la route. On voit s'il y a du miel. Non. Rattrape-les, rattrape-les. Allez, allez. Pas de miel. On va s'arrêter là. Bon, on va peut-être s'arrêter là pour de bon, en fait. Parce qu'après, ça va prendre beaucoup de temps. Il nous manque toujours des ingrédients, c'est fou quand même. Par contre, je peux pas tuer le cochon là. Parce que sinon, on va avoir des problèmes pour porter encore plus. Je crois. Donc ça, je peux pas faire grand chose. Ça c'est cool. Voilà, très bien. Je pense que c'est bon. Est-ce qu'on peut les soigner? Non, ça marche pas ça. La civière là. Une blessure est soignée pendant le repos. Mais oui, mais ça m'étonnerait. Parce que ça ici, ils se reposent, ils deviennent. Avant le prochain repos, sinon elle sera contaminée. Mais non, ça va pas marcher. Enfin, je pense pas. Mais après, de toute façon, on peut toujours les soigner après. Une fois qu'ils sont contaminés. Donc c'est pas très grave. On verra si jamais c'est un problème en fait. Mais ça m'étonnerait que ce soit un problème. Ok. Alors, go. Mais en tout cas, c'était vraiment cool. J'aime beaucoup faire ce truc là. Alors, blessurique, alors blessure coupée, ont pas été soignés. Ça marche. Ouais, non, ça marche. Il reste contaminé. C'est pas très grave. Contamination. Cette unité est contaminée par la peste. Elle peut se nourrir que de viande et risque de perdre la raison si elle est affamée. Carnivore. Mais on peut toujours, voilà, on peut toujours utiliser ça. Ah oui, la différence c'est ça, c'est que là on est obligé d'utiliser un remède contre la peste, alors qu'avant on avait le remède qui avait quand même 25% de chance de fonctionner. Ah c'est ça, j'avais oublié, ok. Ça fait combien de viande? Ça fait 8. Ouais, mais 8, ça va, quoi. Genre ça, là, ça en fait toujours 1, par exemple. Donc, oui, non, il n'y a pas de problème, en fait. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est pas grave, grave. T'sais, on a du beef jerky, là. Donc ça, par contre, les 15, faut les garder. Mais on en fait plein avec les rats. Donc, genre 1, c'est 1 de viande. Donc ça va, c'est nickel. On peut en mettre plein. C'est pas très grave. Mais bon, peut-être que je les soignerai quand on aura un peu plus d'argent de côté. Portez-vous bien à la prochaine. La prochaine, on ira... Tiens, on pourrait aller là aussi. Ah. On pourrait aller là. Ouais, mais là, on est parti pour le coup du miel. Faut que je regarde... Je vais regarder sur Internet parce que je me rappelle plus honnêtement. Où est-ce qu'on a récupéré du miel? Parce qu'à un moment, il y a quelques épisodes, on était bourré de miel. C'est pour ça que j'ai fait... de l'alcool avec, parce qu'on pouvait plus rien en faire, en fait. On en avait tellement, on avait une trentaine, je crois. C'était peut-être à Corsia, au final. En Nartès. Je vais regarder sur Internet, après. C'était cool. J'aime bien faire des attaques de rats, comme ça. Ce serait bien que la grotte soit différente à chaque fois. Les emplacements des cœurs, là, des trucs atrophiés, là... c'est différent. Des fois il y en a 6, des fois il y en a 7. Mais après, la grotte c'est la même. C'est un peu bête. C'est juste un peu bête. Mais peut-être qu'après ça se changera. Hein. Le jeu il n'est pas encore sorti. Hein.
Donc voilà. À la prochaine. Ciao, ciao.